Bonjour! Alors aujourd'hui, petite vidéo avec Thibaut, 4 ans et demi, qui est porteur de trisomie 21. Donc aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu la motricité fine, puisque quand on a une trisomie 21, on a de l'hypotonie et un problème d'hyperlaxité des membres. Donc imaginez-vous un peu faire tous les gestes du quotidien avec des moufles, ça revient au même. Donc nous allons travailler avec des petits objets en bois pour essayer d'enfiler les objets sur une pique. Tu ouvres la boîte, chérie? Vas-y. On enlève le couvert. Très bien. Tu prends une pique? Oui. Alors, vous voyez, c'est des petits objets en bois de différentes tailles. Le plus difficile étant généralement les petits anneaux. Donc on va en disposer plusieurs pour que monsieur nous les mette sur la pique. La petite boule. Encore un cube. Un petit cylindre. Et une petite boule blanche. Voilà, vas-y. Alors, tu prends celui que tu veux. Par quoi tu commences? Le cube vert. Ah, vas-y. Donc, vous voyez, c'est pas forcément facile d'enclencher dans l'ouverture quand on a une hypotonie. C'est pour ça que ça se travaille au quotidien. Oui, très bien, le deuxième cube. Qu'est-ce que tu mets? Le cylindre orange? Oui. Oui. Bravo! Ensuite, qu'est-ce que tu veux mettre? La boule verte? Oui, bravo! Le cylindre rouge? Oui, il y en a d'autres, des éléments dans la boîte. Le petit cylindre rouge. Bravo! Alors évidemment, c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Là, ça roule! Avec beaucoup d'encouragement, beaucoup de positivité. Alors évidemment, on n'a pas ce résultat du jour au lendemain. Il faut beaucoup encourager l'enfant et il va à son rythme, évidemment. Voilà, bravo! On va ranger. Et on lui fait faire les étapes de bout en bout, ouvrir la boîte, sortir les éléments, ranger les éléments, remettre le couvercle. Tout ça, c'est pas forcément évident au départ. Et ensuite, ça devient une routine. Oui, c'est bien, tu sais empiler les cubes. Mais tu sais que si tu les empiles, on ne peut pas fermer la boîte. Ah. Très bien. Bah, il faut enlever le dernier encore. Ça t'amuse, hein. C'est pas là, il faut le mettre plus bas. Mais là, regarde, tu peux le mettre là, il y a de la place là. Vas-y. Allez, Thibaut, maintenant on va fermer la boîte, hein. Non, c'est bien. Allez, maintenant on ferme la boîte, on joue pas avec les cubes. Voilà, la pique. Oh, regarde, elle est pas bien là. Tu la pousses? Voilà, très bien. Et on remet le couvercle. Et voilà, bravo. Merci, bonne journée.